Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous. Donc, vous êtes en salle, mais vous êtes aussi en direct depuis chez vous via le webinaire Zoom. Bienvenue aussi depuis chez vous. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau type d'événement. Ça fait quelques mois, voire années, qu'on a envie, dans la programmation culturelle des événements de la Cité du Vin, de vous parler de projets innovants, de projets autour de l'environnement, de la filière, des pépites d'innovation. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est rapproché d'Innovin, qui est dirigé par Gilles Brianceau, qui est à mes côtés, qui va vous présenter Innovin. Donc, on est ravis de cette première de coopération. Alors, on a un plateau d'invités qui a un petit peu changé. On va vous en parler également. C'est Mathieu Hervé, qui est journaliste chez Sud-Ouest, qui va animer cette rencontre. Donc, vous allez voir trois projets différents, trois startups qui vont être présentées en 15 minutes environ. Et c'est à l'issue de toutes les présentations, vous pourrez poser des questions. On commencera d'abord par les questions. On pourra prendre cette fois-ci, je sais que vous avez été nombreux la semaine dernière à nous manifester votre envie de poser des questions via Zoom. Donc là, c'est possible. Donc, vous pourrez poser des questions sur Zoom qu'on relayera à nos intervenants, qui seront un plaisir de vous répondre. Et puis, on prendra quelques questions dans la salle. Juste, on ne pourra pas faire circuler de micro. Donc, on vous demande de juste poser votre question à voix haute, la sonorité de l'auditorium étant particulièrement efficace et bien conçue, vous n'aurez aucune difficulté à poser vos questions à nos intervenants à l'issue. Donc voilà, on est ensemble pour environ 1 heure et quart. Voilà, donc je laisse la parole à Gilles Brianceau pour vous parler d'Innovin. Merci Mélanie. Bonsoir à tous. Donc je suis Gilles Brianceau, je suis le responsable du cluster Innovin. Alors voilà, responsable de cluster en ce moment, c'est pas une fonction facile à porter, mais ça va. Donc, responsable du cluster Innovin, on est le cluster Innovin, une association qui travaille avec les acteurs de la filière vitivinicole, les entreprises, les centres de recherche, les producteurs, les négociants, bref, tous les acteurs de la filière vitivinicole pour accompagner l'innovation dans la filière, faire en sorte que des solutions émergent pour les producteurs et les négociants pour qu'ils puissent répondre aux grands enjeux de la filière vitivinicole en termes de changement climatique, en termes de réduction des pesticides, en termes d'évolution du goût du consommateur. Pour répondre à tous ces enjeux, pour rester compétitif, notre filière, elle a eu besoin et elle aura besoin d'innovation. Et nous, on est là pour faire en sorte que des solutions émergent. Alors, comme le disait Mélanie, je suis particulièrement ravi de cette première édition de Vinnovation, voilà, de faire un partenariat avec la Cité du Vin pour mettre en avant justement des innovations dans le monde du vin. Alors, les mettre en avant, nous, on travaille essentiellement dans le cluster en B2B, comme on dit, hein, donc en lien avec les entreprises, peu avec le grand public, mais c'est un peu un défi intéressant de montrer aussi au grand public, aux amateurs de vin, aux personnes qui sont autour de la Cité du Vin, ce que peut être l'innovation dans le monde du vin et ce qu'elle peut apporter à la viticulture, à la vigne et au vin. Voilà. Alors, quelques mots sur le contexte, peut-être aujourd'hui, effectivement, trois startups, trois histoires autour d'une thématique quand même qui est celle, ils vous le diront mieux que moi, mais de la réduction des pesticides avec un contexte quand même un peu particulier, un contexte qui est celui d'une pression réglementaire, d'une pression sociétale autour de la réduction des pesticides qui se traduit par une volonté très claire de la part des producteurs ici à Bordeaux, mais c'est vrai en France, voire partout dans le monde, pour réduire l'utilisation des pesticides dans la viticulture. Alors ça, c'est particulièrement vrai à Bordeaux parce qu'on est dans un climat océanique qui fait que naturellement, il y a des maladies et je dirais que sans protection, on a du mal, certains millésimes, à produire. Donc, il y a un contexte aussi économique. Crise économique à Bordeaux en viticulture qui a été accélérée par le Covid, mais qui a d'autres racines, avec un contexte un peu
de Bordeaux bashing, comme on dit, qui est aussi lié hein, à l'image des vins de Bordeaux, et puis un contexte aussi de pression vis-à-vis des riverains autour de cette notion de pesticide. Donc voilà, une viticulture qui s'est engagée fermement vers la sortie des pesticides, soutenue par l'ensemble des professionnels, soutenue par les pouvoirs publics, la région, et je dirais même l'État au travers du plan Ecophyto. Et donc la nécessité d'avoir des solutions hein, concrètes pour les viticulteurs pour réduire, voire à terme sortir des pesticides. Et c'est des exemples de solutions, je dirais, particulièrement prometteuses qu'on vous propose d'avoir ce soir ici. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Mathieu et je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Merci Gilles. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir à la Cité du Vin pour ces rencontres Vinnovation avec Vegetal Signals, Immunrise Biocontrol et Vitirover. Je suis très content aussi d'être là parmi vous pour cette soirée qui est une première. Il va être question évidemment de respect de l'environnement parce que c'est l'un des grands enjeux de la viticulture d'aujourd'hui et de demain. Il va être aussi question de matière grise et de matériel végétal de qualité. Et finalement, de quel chemin on va de la matière grise, de l'innovation, de la recherche à le matériel végétal de qualité qui est quand même le premier élément pour faire du bon vin. Alors, ce soir, si vous le voulez bien, j'ai quand même fait aussi un petit point. Je me suis dit, c'est quoi les trois points communs entre les personnes qui sont présentes ici? Évidemment, il y a cette dimension environnementale. Vivre finalement en harmonie avec la planète, avec les écosystèmes, avec la biodiversité, avec aussi les riverains, protéger les travailleurs de la vigne, et aussi produire en fait des vins de qualité pour les consommateurs et pour les amateurs. Autre point commun, évidemment, c'est l'innovation, puisque ici, tout le monde est parti défricher finalement des terrains de recherche. Certains sont même allés très très loin, puisqu'ils sont partis chercher des éléments et des solutions dans l'océan. Et puis, dernier point commun, me semble-t-il, et ça c'est un point commun que nous partageons tous ici, c'est le goût du bon vin, tout simplement. Le goût du bon vin, la noblesse du produit, un produit de civilisation, un produit de culture à tous les sens du terme, quelque chose finalement qui dit quelque chose de l'époque. Alors, Fabien Lebourdiec, Charlotte Glerhaus, Jonathan Capron, vous m'excuserez par avance puisque je vais trop brièvement résumer à la fois vos parcours, les idées que vous portez, les sociétés que vous représentez. Recherche, innovation, environnement, ce soir c'est notre menu. Et nous allons commencer avec vous, Fabien. Alors, je vais vous présenter très brièvement, comme je le disais. Fabien, vous êtes charentais, vous avez 42 ans. Vous avez une formation d'ingénieur de Centrale Lille. Votre parcours professionnel vous a mené à la fois en recherche en neurosciences et en recherche sur le sommeil. Puis vous vous êtes intéressé, et je pense que ce sera l'objet de votre présentation, aux biosignaux. Les biosignaux au moyen, et on en discutait précédemment, au moyen de l'intelligence artificielle. Alors là, quand j'ai lu biosignaux, intelligence artificielle, j'étais déjà personnellement perdu. J'espère que, et je n'en doute pas, que vous allez nous expliquer tout ça. Votre idée directrice, en tout cas, si je la résume très vite, c'est que les plantes émettent des biosignaux qui nous envoient des messages, qui envoient des messages à leur environnement en général, l'essentiel étant de savoir les interpréter, et c'est ce que, par le passé, on ne faisait pas si bien que ça. Oui. C'est à vous. Je suis assez d'accord avec cette introduction. On échange librement ou je passe la présentation? Allons-y. Je suis assez d'accord avec cette approche. J'avais pris comme intitulé l'intelligence végétale au service du vignoble.
Donc j'écoutais cette introduction me disant qu'effectivement, il y a un partenariat finalement entre l'homme et la plante depuis 2000 ans dans la construction de ce métier, de ce savoir-faire. Et peut-être qu'on va proposer d'amener ce partenariat à un autre niveau. Et effectivement, donc moi, initialement, je suis chercheur effectivement en neurosciences et je travaillais sur les signaux électriques du cerveau humain. J'ai eu l'opportunité de présenter un concours et une idée comme ça qui était, puisque j'avais découvert que les plantes avaient une activité électrique, pourquoi pas essayer d'utiliser les mêmes outils qu'on utilisait finalement en hôpital pour en tirer des informations utiles pour le producteur. Alors, je crois qu'on a une télécommande peut-être là-bas. Alors, excusez-moi, transition. Sinon, je... Ok, parfait. Ouais, donc, effectivement, alors, d'abord quand même, merci, parce que je n'avais pas réalisé que c'était une première, cette initiative Vinnovation, si j'ai bien retenu. Vinnovation, absolument. Donc, je suis très honoré d'être le premier ce soir et le premier de l'histoire de Vinnovation. On n'oublie jamais les premiers. Ok. Donc, voilà, je vais tout de suite vous passer le slide suivant, qui, à mon avis, résume assez bien la base sur laquelle on travaille. En fait, très très belle animation. J'ai peur qu'on bug un peu. Bon. Là, vous avez des signaux électriques, voilà, qu'on peut appeler biosignaux. Les biosignaux, c'est tout ce qui effectivement contient du sens et qui est produit par les animaux, les végétaux, etc. Alors, au-dessus, vous avez 8 secondes de l'activité d'un cerveau éveillé, cerveau humain. Et en dessous, vous avez 8 secondes d'enregistrement de vigne. Donc, activité électrique qu'on a mesurée dans un sarment de vigne. Et donc, l'idée, c'est, bon, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte de correspondance. En tout cas, si on arrive à extraire des informations du cerveau humain, puisque aujourd'hui, on sait... analyser des rêves, on sait piloter une voiture par la pensée. Bah, pourquoi pas finalement aller chercher du sens aussi dans le végétal. Alors, est-ce que tout ça va bien fonctionner? Peut-être que je vais un peu vite. Alors, je vous montre directement des images, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Je ne sais pas où sont passés les slides initiaux. Bon, je vais vous faire une toute petite... histoire quand même, parce que on fait de l'innovation en même temps sans être tout à fait révolutionnaire. Savoir que les végétaux ont une capacité à communiquer une certaine intelligence, alors d'abord il y a beaucoup de jardiniers qui le savent sans avoir fait des études en neurosciences par exemple. Et puis ensuite ça a été découvert quand même il y a environ 120 ans maintenant, avant même que ce soit découvert Darwin, c'est pas très connu. Mais dans sa dernière grande théorie, s'appelait la théorie du cerveau racine. Ce n'est pas la plus connue de ces théories. Mais il imaginait que l'humain, ou l'animal en tout cas, c'était un végétal qui avait trouvé le moyen d'englober son substrat et son système racinaire dans un bocal. Et qu'à partir de là, il avait pu utiliser ses parties externes pour se déplacer. Et puis, 15 ans après la publication de cette idée de Darwin, il y a un Indien qui travaillait dans une université à Londres qui a été le premier à enregistrer des signaux électriques et qui a imaginé que, tout comme chez l'animal, il jouait un rôle dans l'organisation, la coordination du végétal. Alors, bon, depuis, c'est quand même une matière pas simple à manipuler, il a fallu attendre pas mal de temps. L'idée de communication végétale a rebondi il y a une trentaine d'années, notamment après une enquête assez étonnante qui avait eu lieu en Afrique du Sud suite à la mort de troupeaux entiers de koudous. Et à force, au bout de l'enquête, on s'est rendu compte que le tueur était un arbre, en l'occurrence un acacia, et on s'était rendu compte que les acacias se synchronisaient et se passaient le mot quand ils étaient agressés par des koudous.
en émettant des composés organiques volatiles et de l'éthylène. Et ce qui fait qu'en recevant l'éthylène, les copains acacia savaient qu'il y avait un danger et donc ils émettaient des tanins toxiques, voire mortels, et avaient réussi à décimer comme ça des troupeaux entiers de coups. Donc là a ressurgi l'idée de communication. Et puis, il y a maintenant une quinzaine d'années, un certain nombre de chercheurs se sont dit, tiens, pourquoi pas déplacer du matériel d'hôpital, étudier les plantes. Et voilà, le domaine est parti à ce moment-là. Alors maintenant, il avance quand même assez vite. Il reste assez théorique aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'applications. On fait partie des premiers à essayer de trouver des applications dans ce domaine. Mais c'est un champ disciplinaire qui émerge énormément. Et notamment du fait du besoin que l'agriculture a de s'adapter, en particulier au changement climatique, et puis pour d'autres raisons, effectivement, le rapport que la société entretient à l'agriculture aujourd'hui. Alors, suite à cette petite introduction, nous, qu'est-ce qu'on en fait, nous, après ces slides ? Voilà, donc notre idée a consisté à détourner une interface cerveau-machine, et à la mettre dans un boîtier qui permettrait de résister à la pluie, à la grêle et au sanglier. Bon, d'abord, pour voir ce qui allait se passer. Donc, on a réalisé ce type de dispositif. Et dans un premier temps, on s'est dit, on va chercher un peu ce que... Alors, voilà, ce dispositif enregistre une activité électrode avec des électrodes qu'on plante dans la plante, comme vous voyez ici. Et on obtient les enregistrements que vous avez vus précédemment. Alors, ces enregistrements, ils peuvent nous en dire, sans même les analyser, ils nous apprennent que la plante, elle est vivante. Donc, le premier graphe que vous voyez en haut, vous voyez une sorte d'oscillation comme ça, c'est une oscillation jour-nuit. En fait, on réalise que la plante dort, évidemment, c'est pas un caillou. Quand il y a de la lumière, son potentiel électrique augmente. Quand la lumière cesse, cette augmentation cesse puis finalement retombe. Lorsqu'il y a une montée en température, ce qui est le cas au début de la semaine, vous avez également une tendance lente de montée. Et puis vous voyez un autre événement qui est sur l'avant-dernière descente. Là, c'est un samedi matin, il pleut vers 5h30, 6h du matin et on a des traces de pluie. Donc voilà, rien qu'en regardant à l'œil nu, on peut trouver des phénomènes comme ça vivants, quoi. Et alors, quand on zoome beaucoup plus, évidemment, une toute autre échelle, alors sur des signaux qui sont beaucoup plus petits, qui sont portés par la grande vague qui est au-dessus, on obtient ce type de grésillement. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier l'évolution et les déformations de ces petits grésillements qui en fait nous en apprennent beaucoup sur ce que vit la plante. Alors la vue intermédiaire qui est celle-ci, c'était juste pour vous montrer les petits picots, et les petits picots s'appellent des potentiels d'action et fonctionnent exactement comme les potentiels d'action qu'on a chez l'humain, ce qui se propage le long des neurones. Alors notre boulot, une fois qu'on a réussi à capter ces informations, c'est de constituer d'assez grandes bases de données et au moyen effectivement d'algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, de chercher du sens, d'extraire de l'information. Donc ça, c'est un procédé assez lourd au niveau calcul. Donc on fait des analyses, et une fois que les analyses ont fonctionné, on en déduit. On obtient un catalogue de comportements de la plante. Donc aujourd'hui, on enrichit notre catalogue. Donc je vais vous montrer les différents types de comportements qu'on a su identifier. Et une fois qu'ils sont connus, finalement, on est capable de lire en temps réel l'activité de la vigne pour dire, tiens, voilà, il lui arrive ceci, il lui arrive cela. Alors, le premier sujet qu'on a abordé, c'était la question du stress hydrique. Bon, d'abord, on s'est dit, l'eau, c'est important pour le végétal. Alors, si on n'arrive pas à avoir l'impact que l'eau a sur le végétal, on est mal barré, donc c'était un peu notre test. Et on se disait, d'abord, est-ce qu'on est capable de qualifier la soif chez le végétal ? Ce qui nous intéressait, c'était ce phénomène de soif. Donc là, on a eu une expérience qu'on a menée avec l'IFV, sur lequel on a des vignes qui sont irriguées en haut et des vignes qui ne sont pas irriguées en bas. Et en fait, on se rend compte que le potentiel hydrique foliaire, donc la mesure du stress hydrique tel qu'on fait en agronomie, se retrouve dans les signaux. Donc ça, ce que vous avez, les petits points en pointillés sont des mesures faites par des agronomes. Et le grésillement que vous avez est un modèle d'interprétation
qui est 100% basé sur les signaux des plantes et qui retrouve finalement cette tendance que la plante peut être dans un certain niveau de confort quand elle a de l'eau et dans un autre état, dans un état de stress quand elle manque d'eau. Ce type d'analyse nous a permis d'associer les systèmes d'irrigation directement aux signaux des plantes. Donc on quantifie un peu la soif et on a laissé la plante ouvrir et fermer le robinet du circuit d'eau. Et ce qui a été assez surprenant, c'est alors, il y a eu plusieurs choses surprenantes. La première, c'est qu'elle consomme moins d'eau que ce que l'agriculteur voudrait bien lui donner. Elle l'utilise de façon plus parcimonieuse et à des moments qui sont parfois inattendus. Elle ne l'utilise jamais la nuit alors qu'on ne lui a pas donné la consigne. Enfin, voilà, on découvre un comportement vivant. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est un comportement vivant très rapide et très réactif. C'est-à-dire qu'on peut voir la plante changer en quelques minutes, sinon heures. Et notamment lorsqu'elle reçoit de l'eau et qu'elle est en souffrance, on voit son activité se remettre et se rétablir à une vitesse assez surprenante. Voilà, ça c'est le premier type d'activité qu'on a réussi à sonder. Et puis donc à la demande d'un certain nombre d'acteurs du vignoble, on les a interrogés, y a-t-il des éléments d'intérêt à aller chercher? Qu'est-ce que vous voudriez que la plante vous dise finalement pour faire votre métier? En quoi elle peut vous aider, quoi? Donc le deuxième sujet sur lequel on a travaillé, qui est un sujet plutôt qualitatif, c'est le chargement en sucre au moment de la véraison. Donc on cherchait notamment le taux maximum de chargement des baies de raisin. Et donc là, de la même manière, vous avez un contrôle qui a été réalisé sur des machines qui sont assez costauds aujourd'hui, qui coûtent assez cher, qui est donc en pointillé et qui vous donne une quantité de sucre en grammes par litre dans une baie de raisin. Et vous avez notre modèle en vert derrière. Donc là aussi, ce sont les signaux des plantes et leur manière de se déformer qui nous informent finalement de l'arrivée de sucre dans la baie de raisin et puis de la saturation en sucre à partir de la fin véraison vers fin août. Donc tout ça pour dire que ce bruit initial que vous avez vu, il est quand même assez riche et on peut y trouver des tendances assez étonnantes. Alors plus récemment, c'est-à-dire à partir de l'année dernière, et notamment suite à l'initiative Vitirev de la région Nouvelle-Aquitaine, on a commencé à regarder la détection de maladies. Alors ça, c'est le tout premier graphe qu'on a obtenu. Donc là, vous avez des signaux en bleu, vous avez des signaux électriques de plantes qui sont saines. A posteriori, on a observé qu'elles étaient saines. Et en rouge, des plantes dont on a vu a posteriori qu'elles étaient malades. L'observation a été faite l'année dernière, fin juillet. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il y a un épisode de pluie 5 jours plus tôt, et qu'avant cet épisode de pluie, les comportements des plantes étaient identiques. On voit avant le 28 juillet ici, les courbes se superposent. Et puis au moment de la pluie, elles divergent. Donc l'une des interprétations possibles, et on voudrait croire à cela, donc on travaille à valider ce résultat, c'est qu'on pourrait détecter le contact même avec le pathogène, le déclenchement finalement de la réponse immunitaire de la plante, au moment du contact. Ce qui est finalement 5 à 6 jours en avance par rapport à une observation de symptômes sur la feuille. Donc potentiellement, c'est une information, si on l'a plus tôt, on pourrait trouver d'autres moyens de réagir et imaginer des innovations de stratégies phytosanitaires par rapport aux pratiques actuelles. Alors, à la suite de ça, on a continué à suivre le développement de la maladie et de la même manière que pour les exemples précédents, on a enrichi et alimenté des modèles de comportement qui nous ont permis de suivre à travers les signaux des plantes le développement de la maladie, son pic, sa redescente, etc., etc. Alors, l'une des applications sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est... j'aurais voulu une animation, c'était supposé être animé, absolument fantastique. Donc, le but est de quadriller les vignobles avec les petits dispositifs dont on dispose, qui sont en plus des dispositifs pas si cher que ça, il s'agit de mesurer de l'électricité, donc ce n'est pas non plus envoyer une fusée sur la Lune, quoi.
Et en faisant un maillage comme ça du vignoble, on peut avoir une sorte de représentation cartographique de la présence, notamment du mildiou, dans les parcelles. Et donc l'idée est de travailler sur des préconisations en se basant sur cette information. Voilà une autre représentation. Et en fonction donc de la présence ou non et de la gravité de la maladie en fonction de l'endroit, d'utiliser des systèmes de pulvérisation dits intelligents qui vont s'adapter et ne verser la dose de pesticides que strictement nécessaire à l'endroit où il faut. Donc là, on a une expérimentation qui se lance au printemps prochain sur ce thème. Voilà, je vous propose d'arrêter là, sinon sur quelques images d'installation dans le vignoble, chez certains crus connus. Et une petite dernière image pour rappeler que nous venons d'abord de l'ingénierie, je viens aussi des neurosciences, et finalement j'ai rencontré le vignoble, et aujourd'hui on y trouve des applications, voilà, et donc je voulais témoigner de cette espèce d'hybridation des méthodes. Et finalement, ce pari qui pouvait paraître un peu fou au départ porte ses fruits et a aujourd'hui une certaine efficacité dans les rangs des vignobles bordelais et d'ailleurs dans le monde. Je vous remercie. Merci Fabien, CEO de Digital Signals. Alors la seconde intervention ce soir... Pour la découvrir, nous allons d'abord prendre le large. Le large, puisque cette innovation trouve son origine dans l'océan. Elle trouve son origine dans l'océan avec l'expédition Tara Océan. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est une goélette, Tara, qui depuis une quinzaine d'années parcourt les mers du globe et les océans, évidemment. Cette goélette, elle a fait escale il y a quelques années sur les quais de Bordeaux. Donc peut-être que vous l'avez même visitée, si c'était possible à l'époque. Je me tourne vers vous, Charlotte Glerows. Vous êtes la directrice adjointe de la société Immunrise Biocontrol. Vous avez une formation de stratégie commerciale. Vous avez travaillé chez Bull. Vous avez Bull Technology. Vous avez passé 6 ans dans une start-up qui s'appelle Wikips, qui développait un système de conservation de vin. Pardon. Et alors, je vais continuer sur la présentation de la société. Immunrise Biocontrol a été fondée par Lionel Navarro et Laurent de Crasto. Les deux fondateurs se sont connus, c'est ça, hein ? Oui, c'est Laurent de Crasto. Voilà, absolument. Ils se sont connus tous les deux sur les bancs de la fac, hein, donc ils sont amis de longue date. Laurent de Crasto, il est diplômé d'œnologie et de viticulture de Montpellier Supagro. Lionel Navarro, lui, c'est un chercheur extrêmement brillant, puisqu'il a travaillé d'abord à l'INAO, puis il est devenu directeur de recherche d'une équipe à l'École normale supérieure. Et la naissance d'Immunrise Biocontrol, c'est justement ça. C'est Lionel Navarro qui a souhaité exploiter un certain nombre de découvertes qu'il avait réalisées, et notamment l'une due à l'expédition Tara Océan. Cette découverte, c'est une micro-algue. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler parce que c'est quelque chose dont on parle depuis quelques années dans le vignoble à Bordeaux. C'est une algue qui, notamment, combat le mildiou. Mais elle a d'autres qualités que vous allez nous exposer maintenant. Alors, bonsoir à tous. Je migre également sur le pupitre. Voilà. Je vais rester quand même concentrée sur la partie vigne et mildiou et ouvrir sur les sujets, mais on est là, je crois, pour parler de viticulture. Voilà, donc tout d'abord, Laurent s'excuse de ne pouvoir être présent à la dernière minute à l'occasion de cette rencontre et donc m'a demandé au pied levé, je vais baisser un peu, au pied levé, de le remplacer. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait chez Immunrise Biocontrol France, donc nous sommes basés à Sestas, voilà. et donc nous avons développé une solution naturelle de traitement des vignes à base justement de micro-algues.
Donc, on va partir un petit peu d'un constat. Effectivement, on en parlait, Gilles, tu l'as présenté en introduction, du constat du réchauffement climatique qui a un impact direct sur les cultures, la viticulture, mais les cultures en général. Il est soumis directement à deux grandes problématiques. La première étant la sécheresse, évidemment, où les cultures sont confrontées à des stress hydriques intenses. Et l'autre problématique, c'est la combinaison de ce réchauffement de température et d'humidité, et qui là, le terrain propice au développement de maladies, notamment de champignons, sur les végétaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les traitements phytosanitaires luttent pour 70% d'entre eux contre les champignons. Donc, c'est vraiment une famille de pathogènes qui est très importante. Alors aujourd'hui, comment justement on adresse ces problématiques, comment on traite ces problématiques? Effectivement, pour majorité, on a recours aux traitements chimiques, des pesticides. Alors c'est vrai que c'est un peu un gros mot, surtout aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que c'était surtout nécessaire d'apporter une solution technique, en l'occurrence chimique, à une problématique de traitement des cultures, surtout dans des conjonctions d'augmentation de la population mondiale et de besoin de nourrir la population. Aujourd'hui, la question, c'est pas tant justement d'accabler les agriculteurs d'avoir utilisé ces pesticides, c'est de savoir, jusqu'à les années 90, il y a eu énormément de développement dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tellement cherché ailleurs, puisqu'on avait des solutions ultra performantes à bas coût qui répondaient justement à ces problématiques de production. Et si on n'avait rien aujourd'hui pour traiter nos cultures, effectivement, on serait aujourd'hui face à des problèmes immédiats de famine, quoi. Donc évidemment la question, c'est pas ça paraît insensé de se dire qu'on pourrait se passer de traiter les semences, les cultures. La question, c'est plutôt de quelle orientation on veut apporter à ces traitements aujourd'hui, compte tenu du retour d'expérience qu'on a sur ces traitements chimiques qui causent des dégâts sur la santé et sur l'environnement. Donc c'est en ce sens où l'agriculture aussi biologique a apporté une réponse alternative, mais on se rend compte que la plante toute seule a besoin justement d'un encadrement de traitement pour pouvoir être productive. Par exemple, on a peut-être quelques rares cas où en agriculture biologique, on peut complètement se défaire de tout traitement, comme par exemple, je pense à des cultures de salade ou sous des cultures en conditions contrôlées sous serre, avec des cycles de production assez courts de 3 semaines, on arrive à avoir un bon niveau de production sans aucun traitement. C'est évidemment une solution qui n'est pas du tout applicable à une application viticole avec des cycles de production entre la floraison et la véraison de plus de 6 mois et des cycles, des productions uniques annuelles, évidemment. Donc même l'agriculture biologique aujourd'hui a recours à des traitements, donc au cuivre, qui sont totalement inoffensifs pour la santé de l'homme, mais qui ont quand même des conséquences sur l'environnement, puisque finalement les sols accumulent ces niveaux de cuivre et donc finalement perturbent un petit peu la biodiversité peut-être, et du moins les compositions naturelles du sol de nos terroirs. Donc, c'est en ça que le biocontrôle aujourd'hui apporte un autre niveau de réponse, une autre alternative. Donc, le biocontrôle, c'est quoi ? Ça va être des méthodes en fait, de protection des plantes qui sont issues des mécanismes naturels. Donc, le biocontrôle, ça peut passer par exemple, des macro-organismes. Donc, on connaît tous la fameuse coccinelle qui va protéger les plantes dans une lutte biologique naturelle contre les pucerons. Ça peut être aussi des médiateurs chimiques, par exemple les phéromones, qui permettent de constituer des messages, faire transiter des messages intra-espèces. Et ça peut être des micro-organismes. C'est là où on va se situer.
Mais en, le biocontrôle, pour résumer, c'est vraiment c'est, la force du biocontrôle, c'est d'apporter une solution de protection des plantes, du végétal, en étant totalement inoffensif pour l'homme comme le cuivre, mais qui en plus ne va pas impacter le sol parce qu'il est biodégradable. Et c'est ça la grande force du biocontrôle. Voilà. Donc on va soigner la nature en fait avec la nature, avec sa, les ressources naturelles. Donc concrètement, comment on fait? Alors nous, on va sourcer en fait notre, on va sourcer les océans pour aller chercher des microalgues qui sont, qui vont avoir la capacité de traiter les plantes, enfin les vignes en l'occurrence, des maladies. Alors comment on fait, comment elle fait cette microalgue? En fait, la microalgue, c'est un micro-organisme marin photosynthétique. Or, la vie sur Terre a démarré avec des micro-organismes marins. Donc, on considère que c'est vraiment la forme de vie la plus antérieure à toute sorte de forme de vie humaine, de vie sur Terre. Et donc, elle porte en elle en fait tout un patrimoine génétique unique et ancestral. Dans laquelle elle va puiser pour pouvoir s'adapter à tout ce qui va être changement climatique et changement environnemental, et également se défendre des agressions extérieures, des agresseurs. Voilà. Voilà. Donc c'est Lionel Navarro justement qui est chercheur, donc directeur de recherche au CNRS, qui a eu l'idée en fait, d'aller chercher des molécules d'intérêt dans ces micro-organismes marins pour avoir des applications pour la santé et également pour l'agronomie. Et en 2015, il a trouvé une micro-algue qui avait la capacité à lutter contre le mildiou. Alors là, effectivement, il a appelé son ami Laurent de Crasto, ingénieur agronome et puis expert dans les innovations vitivinicoles, et lui a présenté ses résultats, et de ça est né en fait un spin-off du CNRS de Paris qui est Immunrise Biocontrôle basé à Cestas, et qui et en fait tout l'objectif a été pour Laurent de partir de cette recherche moléculaire et de l'amener à une solution concrète de traitement de la vigne disponible sur le marché. Donc à partir de là, on rentre dans une logique d'homologation où notre micro-organisme va être soumis aux mêmes contraintes qu'une solution chimique, avec des études sur sa toxicité et son écotoxicité. Donc la toxicité, c'est son effet sur l'homme, et l'écotoxicité sur son environnement. Donc on a mené des tests aujourd'hui qui sont très prometteurs, où on n'a aucune agression aucune toxicité sur la partie humaine. Et j'ai reçu avant-hier les résultats sur l'environnement. Donc on mène oiseaux, poissons, abeilles, vers de terre, et donc les abeilles, on a eu des taux de mortalité inférieurs. On est à moins 3% de mortalité, donc on n'a causé aucune mortalité sur les abeilles, et on est même en deçà des normes, en conditions normales des abeilles. Donc on peut même se poser la question d'être plutôt épanouissant, enfin, pour l'abeille, quoi. Donc à creuser. Mais donc on est très, très content de ces résultats. Et pour vous montrer encore une fois la force du biocontrôle, c'est-à-dire cette neutralité, enfin du moins sa capacité à être neutre pour son environnement, quoi. À ne pas impacter l'environnement et bien sûr la santé humaine. Pardon, je ne défile rien du tout. Je parle. Excusez-moi. Voilà. Je parlais. Voilà. Donc, l'activité antifongique. Donc, en fait, donc on passe par ces batteries de tests effectivement sur la toxicité. On est également soumis à des contraintes de trouver les meilleurs moyens de production pour produire cette algue à grande échelle, en respectant sa nature pour sa reproduction, sa division de cellules, et
et donc l'objectif étant d'arriver donc à un dossier d'homologation, à une approbation par l'ANSES et l'EFSA au niveau de l'Europe pour obtenir une mise, ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, donc une AMM. Et il faut savoir qu'on a le soutien justement on sent la pression un petit peu politique autour de ces sujets de biocontrôle qui sont en pleine expansion, puisqu'en fait ils réduisent à 3 ans, en fait ils divisent par 2 les temps d'approbation, enfin des dossiers, les délais en fait d'homologation pour le biocontrôle par rapport aux substances chimiques. Et puis donc on tient aussi à souligner l'engagement des viticulteurs eux-mêmes, des domaines qui n'hésitent pas à sacrifier des parties de parcelles pour nous permettre de réaliser nos tests en plein champ. Pour vous montrer le niveau d'engagement, que ce soit les grands crus classés comme Château-Aubrion, Château-d'Auzac ou les domaines du baron Philippe de Rothschild ou même les viticulteurs coopérateurs de la cave, par exemple, de Tutiac, qui nous soutiennent depuis le début de nos recherches à mener nos tests et qui consacrent une partie de leur chiffre d'affaires à cette partie recherche et innovation. Voilà, donc pour montrer aussi la volonté des viticulteurs eux-mêmes à se réconcilier aussi avec l'opinion publique et montrer qu'ils cherchent des solutions alternatives et que pour cela ils s'engagent personnellement dans ces projets de recherche. Voilà, à quoi ressemble la goélette de Tara Océan auquel nous avons le privilège de monter à bord pour récolter des souches d'intérêt et ensuite ces souches alimentent notre souchothèque, donc c'est une bibliothèque de souches marines et donc on crible les micro-organismes, on les isole et on les teste ensuite sur différents pathogènes. Donc ce qui nous ouvre aujourd'hui, donc on est bien avancé sur la partie traitement de vignes, mais aujourd'hui on a des applications également qui une volonté d'aller au-delà sur des applications agricoles de traitement de semences par exemple. Voilà un petit peu. Donc on s'éloigne, ce slide juste pour illustrer qu'on s'éloigne maintenant effectivement de la partie recherche pour nous rapprocher de la partie marché. Voilà, donc avec des solutions bientôt disponibles pour les viticulteurs. Voilà. Merci beaucoup, Charles Clairaus. Végétal Signals, c'est fait. Immunrise, Biocontrol, c'est fait. Il en reste un. Notre troisième intervenant, c'est vous, Jonathan Capron. Vous êtes responsable du bureau mécanique de Viti Rover depuis 5 ans. Alors, Viti Rover, c'est une start-up qui a été fondée par Arnaud de la Fouchardière et Xavier David Beaulieu. On va retracer rapidement leur parcours. Arnaud de la Fouchardière, c'est un peu un serial entrepreneur, si je peux me permettre l'expression, puisqu'il est expert en robotique et en intelligence artificielle. Mais il a aussi créé des sociétés dans le domaine du marketing et de la communication. Il a créé des sociétés dans le domaine du numérique. Et il y a une dizaine d'années, il s'est associé à son cousin Xavier David Beaulieu pour créer la société Viti Rover. Xavier David Beaulieu, lui, il est à la tête du château Coutet, hein, qui est un château bien connu à Saint-Émilion, un château qui est en bio depuis des dizaines d'années. Et ensemble, ils ont conçu, là aussi ça va être un raccourci, mais un robot tondeur qui pourrait ressembler un peu à un mouton électrique. Un mouton électrique autonome qui marche à l'énergie solaire. Et donc, en forme de clin d'œil, je me disais, un clin d'œil à un grand roman de science-fiction, est-ce que les viticulteurs rêvent de moutons électriques ? À vous. Bonsoir à tous. Des très bonnes présentations déjà. Je vais essayer de continuer du coup. Alors, pour vous expliquer un petit peu la société, c'est Xavier David Beaulieu qui est propriétaire d'un château à Saint-Émilion, d'un château familial, comme on vous a dit.
qui du coup en 2010 est revenu sur la propriété et parce qu'il en avait marre de la technique, de la techno tout simplement, et il a décidé de revenir à la vigne, mais voilà, il avait le virus quand même de la techno et il n'a pas pu s'empêcher de modifier des machines existantes. Donc, comme on vous a dit, c'est un château qui est bio, donc il laboure le terrain. Et les premiers essais, c'était, on va dire, des sortes de petits, de sortes d'intercepts un peu automatiques, de labourer le sol, etc. Et il a décidé un jour de faire un peu abstraction de tout l'existant, d'oublier les gros tracteurs qui pèsent des tonnes, qui tassent le sol, qui sont dangereux pour la vigne, qui abîment la vigne. Et il s'est dit, pourquoi pas créer un petit robot qui vraiment inoffensif, qui abîmerait vraiment pas la vigne. Et pourquoi pas faire un allié, en fait, qui est vu par beaucoup d'utilisateurs et par beaucoup de personnes comme un ennemi, c'est l'herbe. Donc il s'est dit, allez, je vais essayer de présenter ce projet à CitéVie. Il est arrivé avec une sorte de petite présentation, vraiment pour montrer l'idée du projet. Et il y a eu vraiment un franc succès. Il y avait la queue devant le stand. Et à ce moment-là, il a vu qu'il y avait un réel intérêt pour remettre un peu. C'était quand même il y a 10 ans. Donc un robot autonome qui entretient l'herbe dans la vigne, c'est quand même assez une révolution. Et du coup, en 2010, ils ont décidé avec Arnaud de la Fouchardière de créer l'entreprise VitiRover. Alors, qu'est-ce que c'est VitiRover ? C'est ce petit robot jaune que vous voyez à l'écran. C'est un robot 100% autonome. Il a un panneau solaire qui lui permet de recharger ses batteries durant la journée. À l'avant, vous pouvez voir, c'est des tondeuses, ce qui permet, équipé de 3 lames rétractables. Les lames rétractables, ça permet de jamais abîmer le pied de vigne, parce que tout simplement, quand le robot vient en contact au pied de vigne, la lame, qui est très rarement en contact, mais si jamais elle est en contact, elle vient se rétracter à l'obstacle du pied de vigne, en fait. Ensuite, donc nous pouvons régler la hauteur de coupe entre 3 et 10 cm. Le robot est 100% autonome, il se déplace de manière automatique. Il a 4 roues motrices et un train arrière libre qui lui permet de se diriger dans la parcelle. Alors, pour présenter un peu comment on met en place ce genre de robot sur les parcelles, en début de saison de pousse de l'herbe, on vient faire un relevé GPS de la parcelle. On insère ce relevé GPS dans la base de données du robot et ensuite on demande au robot de se déplacer de manière intelligente dans la parcelle. Et le but pour le robot, c'est vraiment de venir chercher l'obstacle, parce que c'est là où il y a le plus de concurrence pour le pied de vigne, pardon. Et du coup, le but, c'est vraiment de venir tondre l'herbe à ras le pied de vigne. Alors oui, c'est aussi en fait ce qu'on appelle donc les moutons, comme on vous a dit, et c'est des troupeaux de moutons que l'on a en fait. On vient déposer ces troupeaux de moutons dans la parcelle et ils communiquent entre eux. Donc le travail que fait un mouton est connu par un autre mouton. Donc comme ça, ils peuvent se partager la parcelle de manière intelligente et pas repasser systématiquement sur le travail de l'autre. Nous pouvons aussi du coup superviser le travail des robots à distance par le biais d'une application web. Donc on peut voir où est le robot, s'il est en travail, s'il a un souci, s'il n'a plus d'énergie. Voilà, on peut vraiment voir toute l'activité du robot en temps réel. Alors voilà, donc l'entreprise est née dans la vigne, parce que Xavier Daillolieu est propriétaire d'un château, et c'était vraiment l'idée première, c'était d'entretenir l'herbe dans la vigne. Mais suite de ce succès, on a été contacté par plein d'endroits où en fait partout il y a de l'herbe. Vous pouvez imaginer où il y a de l'herbe, il faut l'attendre forcément, et du coup on a été contacté par des entreprises un peu inattendu, les chemins de fer, par exemple, la SNCF, qui nous a contactés pour entretenir les bords de voie. Sur ces bords de voie, il y a des agents SNCF qui circulent tout au long de l'année pour voir l'état de la voie ferrée et pour faire de l'entretien aussi. Ça, c'est une zone qui fait environ 1 mètre de large et plusieurs kilomètres de long.
Et l'idée, c'était vraiment de circuler sur cette zone avec plus ou moins 10 cm. Donc, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça fait, mais 10 cm, c'est ça. Donc, il faut circuler sur un couloir de 1 mètre pendant plusieurs kilomètres sur une distance de plus ou moins 10 cm sur les bords. Donc, c'est quand même quelque chose dont on est fier, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est une performance. Après, il y a tout ce qui est ferme photovoltaïque. Après, tout ce qui est arboriculture, les vergers, ADP, Aéroport de Paris, récemment, qui nous ont contactés aussi. C'est un besoin un peu différent. En fait, tous les besoins sont coupés l'herbe, mais à chaque fois qu'on a un nouveau secteur d'activité, c'est une programmation différente. Il faut vous imaginer, vous, sur votre tondeuse, si vous avez à entretenir un parc à 3 cm de hauteur ou un endroit où il faut que ça fasse 10 cm de hauteur et où il y a des obstacles toutes les 10 secondes, ce qui est la vigne. Dans la vigne, c'est environ toutes les 10 secondes, il y a un obstacle. Donc, c'est vraiment des modes de fonctionnement différents. Et là, pour les aéroports, leur besoin, en fait, c'est de couper à 15 cm de hauteur pour éviter que les oiseaux viennent se poser sur l'herbe. Donc, c'était encore un autre secteur d'activité, un besoin encore différent. Après, il y a aussi les autoroutes. Nous n'avons pas de robots sur les abords des autoroutes encore, mais on a été contacté pour entretenir le bord des autoroutes où il y a de l'herbe, forcément. Après, nous avons aussi des clients, tout ce qui est RTE et Enedis en France et Elia en Belgique. C'est les postes haute tension, très haute tension. Donc là, c'est pareil, ils ont l'objectif d'être zéro phyto. Donc là, ils n'ont pas le choix du coup d'enherber. Et notre rôle, c'est d'entretenir ces endroits. Alors là, comme je vous ai dit, ça c'est, vous pouvez voir c'était une vidéo, mais ce sera une image. Vous pouvez voir du coup le bord de la voie ferrée, et là on voit les TGV qui passent juste à côté. Donc voilà, ça c'est le couloir qui fait environ 1 mètre, et le robot doit circuler sur ce couloir. C'est bon. Voilà. Après, là, vous pouvez voir du coup une autre vidéo, ça présente le robot dans un domaine. Donc, vous pouvez voir à l'instant là, voilà, vous voyez le fonctionnement des robots en fait en troupeau. Et vous pouvez observer aussi l'effet que ça donne, une vigne totalement enherbée, sous contrôle bien sûr. Parce que le but, c'est vraiment de contrôler la pousse de l'herbe et entre 3 et 10 cm toute l'année. Alors, la particularité de Viti Rover, c'est que nous ne vendons pas de robots, mais nous vendons des hectares entretenus. Donc, le but, c'est qu'un viticulteur ou autre, comme on a pu voir, nous passe un contrat avec Viti Rover sur un nombre d'hectares à entretenir, et tout au long de l'année, l'entreprise, les bergers, ce qu'on appelle les personnes qui s'occupent des moutons, c'est les bergers chez Viti Rover, assez logique. Du coup, toute l'année, les bergers s'occupent des robots sur le terrain, et le but, c'est de garder l'espace entretenu tout au long de l'année. Voilà, là, vous pouvez voir, c'est le logiciel de gestion des robots, la plateforme qu'on utilise. Donc, sur la gauche, la liste des robots. C'est un petit peu mieux en grand écran. Sur la gauche, du coup, la liste des robots. Sur la partie centrale, la parcelle en vert fluo où le robot est présent. Ensuite, le niveau de batterie, les commandes que l'on peut donner au robot. Par exemple, on peut le faire tourner dans une sous-parcelle, on peut lui faire un go-to, c'est-à-dire va à tel endroit, tu attends pendant une heure, tu vas attendre ensuite. Voilà. Enfin, tout est imaginable. C'est vraiment, on a le contrôle sur l'intégralité du robot, et on peut imaginer tout ce que l'on veut avec. Et ensuite, les messages que le robot envoie en temps réel. Sur la partie droite, du coup, le retour d'information de tous les moteurs. Et puis, voilà. Voilà, on a été récompensé par Solar Impulse récemment, du coup, aussi. Et ça, c'est une carte, au fond, là, vous pouvez voir la carte où différents robots sont présents dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci Jonathan Capron.
Alors, eh bien, maintenant, on va passer aux questions. Alors, vous êtes ici en présentiel. Il y en a d'autres qui sont en télétravail un peu chez eux. On va commencer avec les questions Zoom, s'il y en a. Et puis, nous passerons ensuite aux questions de la salle, si vous le voulez bien. Alors, on va nous faire signe, en principe, là-haut. Y a-t-il des questions Zoom ? On réclame votre indulgence, hein, parce que les conditions sont un peu particulières. Ça n'aura échappé à personne. Donc, il y a des petits moments d'improvisation. Alors, voilà. Y a-t-il des questions ? Alors, oui. Alors, la première question que je découvre en même temps que vous, à quelle échéance le projet Végétal Signals pourrait-il être disponible au vignoble ? Merci pour cette question. Alors ça dépend quel type d'application. On a des applications qui sont actuellement en déploiement, alors pas dans la région de Bordeaux, mais par exemple en Afrique du Sud sur le pilotage d'irrigation. J'imagine que la question porte plutôt sur la question des phytosanitaires. En fait, nous sommes en recherche de collaboration pour utiliser cette information dans le cadre de l'invention de nouvelles stratégies phytosanitaires. Je pense qu'il y a plein de manières d'appréhender cette information. Et donc, on est tout à fait disponible pour échanger sur... récemment, un viticulteur m'a parlé d'utilisation d'ozone, par exemple. Alors, par contre, la démonstration sur la modulation des pulvérisations sera faite au printemps prochain. Et donc, on peut imaginer que si le résultat est concluant, je pense qu'on pourra communiquer lors d'un salon à l'automne pour envisager effectivement une commercialisation dès l'année suivante. Pourquoi pas. Merci, Fabien. On a une autre question en ligne par rapport, donc pour Jonathan Capron. Quel est le coût pour le Vitirover et quelles sont vos capacités de production actuelles et perspectives d'évolution ? Alors, le coût, je ne vais pas en parler ce soir, parce que c'est vrai que ça dépend de la parcelle, du nombre de pieds plantés à l'hectare. Donc, je préfère ne pas dire de prix. Alors pour la capacité de fabrication, là on a une centaine de robots et on prévoit une centaine de robots supplémentaires pour l'année prochaine. Donc voilà. Sachant qu'un robot fait environ 1,5 hectare. Alors y a-t-il une troisième question Zoom ou Merci, on peut passer aux questions dans la salle pour le Très moment. Bien. Alors pour les questions dans la salle, comme on ne peut pas faire passer de micro, si vous voulez bien vous posez la question, je la répète pour que les gens en visioconférence puissent l'entendre et on répond ici. Y a-t-il des questions ? Alors, très brièvement, je résume la question qui était très bien posée. Beaucoup de publications, beaucoup de communications sur le biocontrôle. Pour l'instant, finalement, assez peu de travaux scientifiques qui étayent ce que vous avancez. Il n'y a pas de raison de les mettre en cause. Mais alors, à quand là où les grandes études référentes au niveau mondial ? Merci pour cette question. Alors, il faut savoir que tout est relatif. On estime en agriculture, on a recensé là récemment d'ailleurs, on a fait l'exercice là récemment de trouver un petit peu les solutions de biocontrôle disponibles pour l'agriculture. Hein, je parle pour l'agriculture. Et finalement, il y a 30 à peu près solutions de biocontrôle aujourd'hui disponibles sur le marché. Ce n'est pas énorme par rapport aux références évidemment chimiques. Bon, bien sûr, ce chiffre est en croissance. Mais effectivement, on explique ce chiffre parce que effectivement, aujourd'hui, pourquoi il y a si peu de solutions de biocontrôle ? Parce que finalement, depuis les années 90, les solutions chimiques
ont un petit peu inondé le marché avec des solutions ultra performantes et abordables. Et depuis 10-15 ans, on commence à avoir des solutions alternatives émerger. Mais initialement, ce n'était pas dans l'agriculture, finalement. C'était plutôt pour des aspects santé, des pollutions de l'air, dermocosmétiques, etc., notamment les micro-algues. Hein, je pense que ça a été les premières vocations des recherches en micro-algues. Et donc, pour l'agriculture, finalement, même Immunrise, je ne l'ai pas dit, mais fait partie un peu des solutions pionnières d'apport de solutions de biocontrôle pour l'agriculture. Pourquoi ? Parce que vraiment, encore une fois, on n'a pas trop cherché, quoi. Il n'y a pas si longtemps qu'on cherche, quoi. Donc, ça va être amené, bien sûr, on le voit, hein, les tendances sont amenées à développer ces solutions de biocontrôle. On est de plus en plus nombreux et c'est tout à fait souhaitable à homologuer, à porter des dossiers d'homologation auprès de l'ANSES et de l'EFSA pour la France, hein, et pour l'Europe en solutions de biocontrôle. Et effectivement, on va voir émerger de nombreuses publications à ce sujet. Et justement, et c'est vrai, je vous rejoins, c'est vrai que c'est important de communiquer autour de ces solutions parce que finalement, elles sont un petit peu aujourd'hui dans l'ombre. Et c'est très important, notamment, encore une fois, pour rallier l'opinion publique à la cause des viticulteurs. Parce qu'encore une fois, les viticulteurs, ça ne leur fait pas plaisir de traiter des semences. Quand ils ont recours à des solutions chimiques, ce n'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement de solutions alternatives. Donc aujourd'hui, il est important effectivement de pousser en communication ces solutions. Nous, on compte bien le faire, bien sûr, quand on le pourra, quand on aura homologué notre solution. Mais effectivement, nous, les publications scientifiques, il est prévu qu'on en fasse. Aujourd'hui, effectivement, des brevets qui ont été déposés, donc communique autour de ce brevet est consultable dans la littérature scientifique. Et après, les déclinaisons de produits, on va être dépendante également des AMM qui seront accordées par marché, on l'espère, et donc appuyer une communication de force sur ces sujets-là. Mais effectivement, un travail est à faire pour valoriser ces solutions alternatives. Merci. Alors, je répète la question. Quelle est la part du vignoble à couvrir et les manipulations liées aux dispositifs techniques peuvent-ils gêner en fait la manipulation au quotidien ? Bon, très bonne question. Évidemment, la question de la représentativité de la mesure, hein, c'est vraiment une clé. On a évidemment des sites sur lesquels on a une plus grande homogénéité. Le vignoble bordelais complexe. Pour l'instant, on est sur une base de 10 unités par hectare là en expérimentation. On voit un peu la résolution que ça donne. Alors, quand je dis unité, en fait, un boîtier lui-même va chercher de l'information sur plusieurs plantes. On a un travail statistique quand même. Chaque bloc de mesure suit 8 plantes en même temps. Alors, l'idée est quand même de ne pas se baser exclusivement, typiquement là, sur les cartes de préconisation, à 100% sur du végétal. Donc, évidemment, on a une remontée du risque, finalement, et de la présence de la maladie, mais évidemment, on y intègre des cartes de vigueur, on y intègre des cartes de sol, on y intègre potentiellement la présence d'une haie ou d'un couvert végétal. Il y a encore nécessité d'un conseil, finalement, pour interpréter l'information. Mais bon, aujourd'hui, on table sur environ 10 machines sur un hectare à titre expérimental. On verra si on peut relâcher ou s'il faut, resserrer. Bon, après, il y a évidemment des cultures sur lesquelles des céréaliers, par exemple, là, on peut être beaucoup plus lâche dans le suivi. Alors ça, c'est vraiment pour les applications phytosanitaires, hein, pour le coup. Et du coup, la deuxième question était... Oui.
Alors normalement, si on a bien fait notre travail, bon, évidemment, on a eu quelques surprises. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est en test. Étonnamment, on a très peu de pertes de données. On a perdu, je pense, cette année sur 100 machines, on a perdu une électrode. On a accusé un sanglier. Je sais pas si c'était vraiment. En fait, on a travaillé dans la mise en place du dispositif, sa façon de le fixer dans le rang, etc., et de déployer les câbles. On travaille quand même avec des viticulteurs pour faire en sorte que les rogneuses, qu'il n'y ait pas de problème, y compris certains vignerons qui ne nous avaient pas prévenus avant les vendanges. Et on a eu des capteurs qui sont passés dans les vendanges mécaniques là, avec les tâteurs et qui ont survécu. Bon, on a peut-être perdu quelques électrodes, je ne sais pas si le... Il n'y avait pas un contrôle à faire sur les jus derrière, mais non, a priori, y compris les panneaux solaires, ils sont juste au bon niveau et on n'a jamais eu de problème, en tout cas, de remonter des viticulteurs à ce sujet. Par vous, madame, en deux temps. Je résume très brièvement, encore une fois. Comment déplace-t-on un troupeau de robots et comment communiquez-vous? Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Pour l'instant, on a un potentiel de fabrication, comme j'ai dit, qui est limité. Donc, on doit faire le tri dans les clients. Donc, la communication, pour l'instant, on en fait très peu parce qu'on doit faire le tri dans les clients. La première question qui était, excusez-moi, c'était pour le comportement dans la vigne. Est-ce qu'il y en a, vous en déplacez 100 en une fois ou... Alors là, c'est le berger qui gère ça. Ça dépend des parcelles. Il y a des parcelles qui sont très poussantes en herbe où on va devoir mettre des robots pendant un certain moment. On va devoir mettre 2-3 robots sur une surface et d'autres parcelles où on va devoir mettre un seul robot sur la surface au même moment. Donc il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment à l'intuition du berger qui lui déplace les robots en fonction de la pousse de l'herbe. Mais en moyenne, on laisse quand même quelques robots sur la propriété pour entretenir tout au long de l'année. Merci. C'est des contrats à l'année, c'est ça exactement. Le viticulteur signe un contrat sur un hectare entretenu, X hectares entretenus, et pour lui, c'est transparent. Il n'a pas à se soucier si 1, 2, 3 robots sur la parcelle, lui, ça ne change rien. C'est, le but, c'est que l'herbe soit coupée à une certaine hauteur. Et après, c'est le travail de Vitirover, le berger de Vitirover, qui met plus ou moins de robots et qui déplace les robots suivant la saison. Merci. Madame, je vous en prie. Je résume pour le webinaire, c'est sur la position des capteurs sur la plante.
Alors, très simple, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a une raison pour laquelle on ne l'a pas beaucoup fait, on communique très peu dessus, c'est que scientifiquement, il y a un consensus aujourd'hui pour dire oui, il y a un phénomène de communication à l'intérieur d'une plante. Ok, les feuilles se synchronisent, les membres. Bon. La question de ce qui se passe dans le sol est un peu plus complexe, et notamment la communication interindividuelle n'était pas avérée jusqu'à il y a quelques mois. Il y a un article très important qui est sorti là au printemps d'Alexander Volkov. Effectivement, maintenant, on peut s'attaquer à la question des racines. Alors après, en grande culture, c'est un sujet très sensible, évidemment, le labour. Mais à l'évidence, alors d'abord, le fait, nous, qu'on se mette dans les tiges, déjà, on est quand même à l'interface entre le système supérieur et effectivement les échanges avec les minéraux au niveau des racines. Donc, on a quand même une partie de notre champ électrique qui est générée par les racines. Et on essaye aussi de l'intercepter. On a fait des tests, effectivement, à plusieurs endroits, y compris très bas sur le pied, y compris en vigne, avec des porte-greffes. On constate quand même qu'il y a une assez grande homogénéité du champ électrique, quelle que soit la position. Donc, on est convaincu de toute façon qu'on a une partie de cette image racinaire. Maintenant, j'ai pas mené d'expérience, si vous voulez, avec un substrat riche et un qui n'est pas riche, mais je suis convaincu à 100% qu'on peut qualifier cet enracinement ou la qualité de l'interaction avec les mycorhizes, etc., par le signal électrique, c'est pratiquement certain. Alors, là, vraiment, je ne peux pas du tout répondre en tant que viticulteur et en termes de stratégie. Par contre, ce qui est évident, c'est que l'immunité végétale est une immunité collective. La circulation d'informations entre les individus est nécessaire à la bonne santé. Alors, évidemment, on se rend compte que quand je reviens aux grandes cultures, on pratique le labour profond depuis bien longtemps. En fait, on isole les individus, on les fragilise énormément. En fait, ils sont faits pour encaisser des chocs, le premier va tomber et en tombant va signaler le risque à son voisin qui va avoir le temps de s'adapter en fait. Et on voit que les plantes ont des mécanismes de réponse au stress et de résilience qui sont extrêmement puissants dès lors qu'il existe ce collectif et principalement cette circulation d'informations par le substrat et au niveau racinaire. Donc effectivement, l'entretien d'une bonne qualité du sol et de ce réseau racinaire est certainement déterminant pour peut-être la qualité, mais à la santé de la plante, c'est une évidence. Y a-t-il d'autres questions ? Une question sur les traitements. Oui, effectivement, là, on a des projets de comparaison de produits biostimulants, par exemple. Enfin, on peut benchmarker, effectivement. On peut benchmarker des pratiques. On peut, donc, on a plusieurs types d'indicateurs. On a des indicateurs de stress pur. Bon, après, il faudrait d'autres marqueurs, si vous voulez, de bonne santé que strictement le signal électrique pour vraiment le faire. Mais on peut tout à fait mettre au point des méthodes de comparaison de produits et d'efficacité de produits, ça c'est clair. Y a-t-il une autre question ? Ah, pardon, monsieur. Que se passe-t-il à l'international sur le biocontrôle ?
Oui, alors là, je vais sécher un peu sur les chiffres du biocontrôle dans le monde, pour tout vous dire. C'est un sujet, oui, on sait qu'il y a effectivement, notamment aux États-Unis, un fort développement également de solutions de biocontrôle. Par contre, en viticulture, je peux parler de manière assez sereine sur le fait qu'il n'y a pas, que vraiment la France est assez pionnière dans la recherche. Voilà. Madame. De quel océan vient la micro-algue? Les paris sont ouverts. Elle vient de chez nous. Donc on l'a trouvée sur façade, façade océane Atlantique, pas très loin de chez nous. Voilà. Donc, et c'est une micro-algue qu'on a bien sûr étudiée, de fait, et qu'on sait qu'elle est répertoriée dans divers coins du globe. Donc, pour des notions de production, c'est aussi intéressant, sachant que, bien qu'on n'utilise pas, on ne va pas produire la microalgue dans son bassin d'origine, on va la rendre extraterrestre. Enfin, elle est extraterrestre, on va la rendre terrestre, on va la développer, la produire en hors-sol. Disons qu'on peut se rapprocher des environnements naturels à différents coins du globe qui présentent les bonnes conditions de lumière, de température, pour sa division et donc sa productivité. Voilà. Ah, il y a des dernières questions, je vous écoute. Alors, est-ce que les fonds marins sont quand même en danger avec votre activité? Bonne question, et rassurez-vous, tout va bien pour les fonds marins. non, vraiment, en fait, on ne va pas dans les fonds marins, on la récolte en surface. Donc, voilà, merci pour l'applaudissement. Mais effectivement, voilà, c'est une micro-algue qu'on prélève facilement en surface et qui, de toute façon, est en nombre illimité et que nous, on prend donc une souche et finalement, à partir de cette souche, c'est là où on la démultiplie. Elle se divise très rapidement, en fait, quand les conditions de température et d'ensoleillement, enfin de lumière, sont optimales pour elle, parce qu'on a étudié vraiment ce qu'il lui fallait, également en nutriments, dans l'eau salée. Et donc, on est capable de la reproduire depuis notre labo, dans des inoculums plus grands, et dans des bassins ensuite. Et ensuite, j'avais montré un slide, j'ai pas parlé de production à proprement parler, mais à un moment donné, vous avez vu effectivement différents, ce qu'on appelle des photobioréacteurs, et c'est l'outil de production qui permet de la produire et de la récolter, en fait. Et c'est marrant parce qu'il s'apparente finalement à des petites vignes, enfin des champs, à des hectares de vignes. Ce sont des grandes poches transparentes plastiques dans lesquelles baignent les micro-algues et qui sont tenues donc très simplement sur des bacs en fer et qui mesurent 1,20 m. Et c'est vrai que on ressemble finalement, ça s'apparente à des pieds de vigne. Voilà, un champ de vigne. Monsieur. Comment se passe la culture de la micro-algue? Tout à fait. Alors, on devient éleveur de micro-algues, pas de moutons, mais de micro-algues. Et effectivement, ça se passe très bien, mais c'est pas une mince affaire d'apporter à cette micro-algue les conditions nécessaires à son épanouissement, à sa division. Mais on y arrive. On est arrivé. C'est une micro-algue qui est assez robuste finalement. Et c'est aussi l'intérêt de ce choix, de cette sélection de micro-algues, c'est qu'on va pouvoir la produire de manière industrielle, elle va pouvoir avoir une réelle application en traitement, aujourd'hui, effectivement, de la région Nouvelle-Aquitaine sur les vignes. Et puis après, on est sur des forecasts d'usines qui peuvent produire 300 tonnes
de produits, quoi. Donc effectivement, ça permet de soigner l'agriculture de toute la région aquitaine et française. Donc voilà. Alors, l'administration de cette solution de biocontrôle au traitement de la vigne, une justement des problématiques que l'on a, c'est bien sûr de s'apparenter à ce que ce soit complètement transparent pour un viticulteur, c'est-à-dire qu'on va lui fournir les bidons de la même manière que des solutions traditionnelles, conventionnelles, qui vont s'adapter à son outil de traitement, donc à son pulvérisateur, à ses buses. Donc, effectivement, ça fait partie du travail de notre pôle production qui a tout à fait défini aujourd'hui la formulation du produit final. Et aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'on mène nos essais au champ. Auprès des agriculteurs, des viticulteurs, et qui donne satisfaction. Voilà. Donc on la concentre. C'est un produit, voilà, qu'on a des niveaux de concentration, on sait qu'elle est performante, et donc on la formule, en fait, on la formule de sorte à ce qu'elle soit complètement assimilée à des produits de traitement conventionnels. Voilà. Et en plus, à un coût abordable, je veux dire, on reste dans des critères de prix. Ça, c'est important de le signaler, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est du biocontrôle qu'on est deux fois plus cher que le conventionnel. Non, l'objectif aussi, c'est d'arriver à une productivité de l'algue qui puisse sortir un produit final, un produit commercial qui soit complètement abordable pour la profession. Voilà. Oui, alors quelle stabilité et quelle conservation? Tout à fait, ça c'est une excellente question. Donc la stabilité du produit aujourd'hui, donc il y a deux versions, une version éthylique en fait qui va avoir une capacité à se conserver sur près de 2 ans, c'est l'objectif, pour être applicable sur 2 saisons. Et puis en fait il y a une solution qui se garde au froid en fait, en conditions réfrigérées. Voilà. Alors effectivement, en fait, nous on fournit un format dose, pleine dose et demi-dose, en fait, et qui va être incorporé à la bouillie traditionnelle des viticulteurs, de sorte à pouvoir être modulable en fonction des besoins, des pressions milieu de l'année, quoi. Voilà. Donc soit le viticulteur aura à disposition un bidon, il pourra utiliser soit la demi-dose si la pression n'est pas trop forte, et qu'il pourra donc mélanger à sa bouillie. Et donc c'est un bidon, on estime, de 3 litres qui va pouvoir être utilisé soit en demi-dose, soit en dose pleine en cas de forte pression mildiou. Et dans ce cas-là, son bidon de 3 litres va pouvoir être utilisé sur sa surface. Voilà, c'est complètement on garde des en fait on a, l'objectif c'est évidemment de ne pas fournir des centaines de litres pour pouvoir être performant sur on essaie de s'appliquer à respecter les pratiques en fait habituelles d'un vigneron qui prend sa solution de traitement, qui la mélange à sa bouillie et qui la pulvérise sur ses champs sur des formats classiques, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors l'oïdium, on n'a pas trop d'effet sur l'oïdium. Par contre, effectivement, on a un effet botrytis important. Ouais, tout à fait. On n'en a pas parlé effectivement, mais c'est aussi une des. En fait, cette microalgue, là, j'ai vraiment orienté mildiou, mais c'est vrai qu'elle a une performance assez universelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est un petit peu de monter en concentration pour voir en fait comment elle opère sur différentes applications. Notamment, on est aussi sur le sujet traitement de semences, qui est important. Et voilà, donc, mais qui est encore différent parce qu'on enrobe les semences, donc on monte un petit peu en concentration. Voilà, mais effectivement, le botrytis, on a un réel effet botrytis. Et aujourd'hui, nous allons mener aussi des essais sur tout ce qui va être black rot et puis Brenner, en fait, voilà, sur des applications plutôt sur l'est de la France,
Voilà, parce qu'il y a des résurgences comme ça de maladies un petit peu anciennes qui reviennent avec ces nouvelles conditions climatiques. Voilà. Merci sincèrement. Alors, une dernière question, mais vraiment la dernière. Question sur l'efficacité. Alors, sur l'efficacité en labo, on est à 100% anti-mildiou. Donc c'est très pertinent. Effectivement, après, maintenant, on mène des essais, nous, ce qu'on appelle des essais de bonne pratique expérimentale, donc au champ. Donc là, ce sont des essais qui sont confiés à des laboratoires indépendants, des organismes indépendants qui mènent, qui ont un protocole donné de traitement et qui doivent s'y tenir donc, en amont, mais indépendamment des conditions climatiques réelles. Donc pas dans les conditions réelles d'un vigneron qui, lui, adapte effectivement, évidemment, son protocole de traitement à la météo. Donc en conditions BPE, on atteint sur une année très forte en mildiou comme cette année, on était à plus de 60% d'efficacité. Je n'ai plus de son. C'est fini. Non. Il n'y a rien fait. Voilà. Donc on peut estimer que si effectivement le vigneron dans une condition réelle qui aurait pu adapter, parce qu'en fait il y a eu tellement de pluie contaminante cette année que malheureusement, en plus c'était pendant la période de confinement, donc l'organisme a mené les essais, le protocole de traitement de les cadences qu'il avait définies, mais qui n'ont pas collé finalement à la pluviométrie. Donc en fait, nous, comme c'est un organisme, un micro-organisme de contact, en fait, c'est une solution de contact, et ben, à chaque pluie, en fait, ça lessive complètement le produit. Et en fait, l'idée, c'est plutôt d'appliquer après la pluie, évidemment. Donc on a eu quelques lessivages qui justifie un petit peu aussi la perte de performance à ce niveau-là par rapport au labo. Et on estime qu'effectivement, on a des essais au champ avec hors protocole BPE, justement, où il y a vraiment une souplesse pour le vigneron de mener ses tests comme il l'entend, en fonction de la pluviométrie, des précipitations. Et bien, effectivement, on va monter beaucoup plus haut en performance. Voilà. Sincèrement, merci pour la qualité de vos questions. Merci pour la qualité de votre écoute également. Merci Charlotte, merci Jonathan, merci Fabien. Merci Gilles Brianceau d'Innovin. Merci évidemment à la Cité du Vin pour cette soirée. Je pense qu'on avait évoqué une soirée consacrée à l'intelligence, à l'innovation pour une viticulture vertueuse. Je crois que, en tout cas, c'était au rendez-vous ce soir. À bientôt à la Cité du Vin et à bientôt à la fois en présentiel ou sur Zoom. Au revoir. Merci à tous, merci Mathieu, Hervé. Juste un petit mot, donc la semaine prochaine, mardi, vous avez l'annonce ici, on fait la conférence inaugurale des Vendanges du Savoir que vous connaissez peut-être, c'est un cycle organisé en partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc on vous présentera la saison des Vendanges du Savoir et nous aurons le plaisir d'accueillir Marc-André Sellos qui va nous parler des champignons. Donc il est biologiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et voilà, et donc cette première conférence aura lieu la semaine prochaine à 19h sur place et aussi en visioconférence. Donc à très bientôt.